Salut tout le monde, c'est Gamasama, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, sur la version japonaise, pour une vidéo invocation sur un des deux portails, soit rosé ou soit végétaux blue, et le choix est très compliqué, et je vais choisir mon instinct, et voilà, du coup, cette vidéo sera tournée, voilà, maintenant, dans la prochaine vidéo, ce sera sans doute soit l'event de rosé ou de végétaux blue, on verra, en tout cas, là, on va regarder les portails avant, et je vous dire ce qui me manque, et ce que j'aimerais drop. On va commencer par Végétaux Blue. Je pense que je n'invoquerai pas sur le portail Végétaux Blue parce que j'ai quasiment tout le portail déjà. Végétaux Blue que je n'ai aucun des deux. J'ai ni le puissance, ni le Basua et ni l'endurance. En fait j'ai aucun Végétaux Blue. Même si là le puissance va être gratuit, on va pouvoir le récupérer. Le Gohan Ultime puissance que je n'ai pas non plus. C'est un des persos qui me manque aussi à drop. Le Goku SCJ4 puissance que j'ai déjà avec 0 doublon. Lui, pareil que je l'ai, mais j'ai pas de doublon, il me semble. Lui, que j'ai aussi. Lui, je n'ai pas, mais il m'intéresse pas du tout. Ce Trunks, c'est très très intéressant. Il est même très très balèze. Mais bon, voilà. Lui, c'est plutôt bien pour le Trunks Carry Intelligence. Mais bon, j'ai. Voilà. Celui-là, je l'ai déjà. Celui-là, je l'ai déjà. Hop. Pour moi ce portail m'intéresse pas plus que ça, alors que ce portail il est juste monstrueux parce que j'ai aucun des persos du portail. On va aller voir que Black Goku Rosé, le puissance, j'ai déjà l'agilité 100%. Voilà, on peut aller chercher le puissance maintenant. Le Omega Shenron, leader des catégories Dragon Maléfique je crois. Je sais plus quoi, la team, je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Brolier CJ3, Tech, le Neo... Extreme Tech que je n'ai pas non plus, pourquoi pas, et même s'il n'est pas extraordinaire, pourquoi pas le drop. Lui je le recherche depuis un bout de temps aussi. Le couleur endurance, un des néo extrêmes que j'ai pas, j'en ai que un de toute façon, c'est le kit bout pour l'instant. J'aimerais bien l'avoir aussi. Super C17, pourquoi pas, parce que maintenant que j'ai les cyborgs qui sont 100% et bientôt ce P20, pourquoi pas l'avoir. Je ne l'ai pas non plus. Black Goku, il n'est pas si intéressant que ça, mais je ne l'ai pas pour la collection, pourquoi pas. Le Zamasu Intelligence, le nouveau, il est pas mauvais, pourquoi pas. Ça se paye et farmable par celui-là. Celui-là, pourquoi pas le récupérer parce que il faudrait que je continue de monter l'aspect du Omega Shenron Puissance que j'ai pas fini. Et aussi, pourquoi pas, si j'ai l'autre et celui-là, bah, pourquoi pas m'envoyer. Du coup, je pense qu'on va invoquer sur le portail rosé si j'arrive à économiser un petit peu et réussir à récupérer assez pour faire une multi-invocation sur Végétaux, je vous le ferai en vidéo. Mais là on va invoquer sur Rosé, j'espère qu'on aura du lourd. Parce que Dokkan, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu de lourd depuis le portail Kefla. La chance n'est pas trop là sur Dokkan Battle, j'espère que ça va arriver sur ce portail. Et que ça sent pas terrible déjà. Arc-en-ciel, je passe à la Jean. Oh, je peux faire qu'une multi, hein. C'est ça d'être free-to-play, c'est un peu chaud chaud pour invoquer. C'est vrai que ce portail il est hypant, il est très très balèze, mais bon, je peux faire qu'une multi. Alors du coup, deux Doria puissant, deux Doria, on s'en bat les couilles, en rare. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Totepo, non, je sais plus comment il s'appelle. En rare, on s'en fout un peu aussi. Messer, Messer S18 puissance, ça m'intéresse pas non plus. Docteur Giro. Intelligence non plus. Frost agilité. Freezer SR puissance, on s'en fout un peu. Voilà, je commence à dire mais putain j'ai rien droppé. Le SR sel puissance. Oui, c'est sûr que j'avais pas. Le Zamasu intelligence qui vient de sortir. Après c'est pas le perso que je cherchais le plus, mais bon pourquoi pas un SSR, ça fait plaisir. Lui c'est pour remonter l'aspect du Kibo à intelligence que j'ai, pourquoi pas. Ah j'ai cru que c'était l'Omega Shenron. Non malheureusement. SR agilité. Ça va remonter l'Omega. L'Omega puissance. Voilà, c'est ça. Du coup on a droppé qu'un SSR. Un peu triste. Mais bon. Il est pas dégueulasse le SSR. J'avais pas de Zamasu dans ma box. Il a deux leaders, il est dans deux catégories, là ça va être la catégorie divine. Et dans quelle catégorie aussi Potala. Potala et divine. Ouais, je suis assez mitigé quand même de mes invocations parce que j'ai aucun des trois Néo. J'ai pas eu
le Omega, le Nid Rosé. J'ai rien eu d'intéressant plus que ça. Bon, je vais pas me plaindre, c'est un bon perso quand même. J'ai mis Q50D, j'aurais pu avoir rien à voir du tout sur la Mythie. J'ai eu peur même d'avoir rien. Je veux dire, ça va. Bon, j'ai 8 pierres, mais j'économise pour pouvoir refaire une multi. Et peut-être cette fois-ci, on fera sur ce portail-là. Parce que franchement, si j'arrive à avoir le Végéto peut m'intéresser. Le Gohan peut m'intéresser. Après, le reste. Après, des doublons, pourquoi pas du Goku. Gotenks, pourquoi pas. Et voilà, reste. Pourquoi pas le Trunks aussi. Voilà, on verra ce. On essaiera de faire une multi invocation sur le portail. Du coup, j'essaierai de vous faire. La vidéo prochaine sera sur le portail. Dans l'événement de Black Goku Rosé, parce que je viens de dropper le Zamasu qui a un éveil sur l'événement de Black Goku Rosé. Du coup, voilà, je vous laisse là. Dites-moi ce que vous avez droppé, vous. Vous, si vous avez mis beaucoup plus de DS que moi. Moi, je pense que vous avez mis plus de DS que moi, mais moi, j'ai voilà, j'ai fini le jeu, j'ai plus rien. Et puis, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans le jeu. Alors, du coup, voilà. Moi, c'est là. Bye, c'est Dégamage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un maximum de pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas fait. On n'a pas loin des 700 abonnés à force. Et ça fait extrêmement plaisir. Allez, bye, c'était Dégamage.